Bonjour, je reviens vers vous parce que j'ai fait deux vidéos du colis de Carica et là je vais faire la vidéo de son junk. Voilà, il est comme je l'ai sorti du carton, je ne l'ai pas regardé, je vais le regarder avec vous. Voilà. C'est un échange qu'on fait toutes les deux et elle a voulu faire un junk pour moi avec ce qu'elle a créé pendant le confinement. Voilà. Alors, voilà. Waouh! Waouh! Alors, voilà. C'est très, très, très joli. C'est magnifique. Déjà vu comme ça, c'est. Il est tellement, tellement immense qu'on ne peut pas le. Voilà. C'est très beau. C'est très, 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 très joli. Oh, c'est très joli. Ouais. C'est magnifique. Vu comme ça, la couverture. Alors, elle a teinté un apron au café. Elle a mis du galon là. Là, elle a un élastique. Alors, je vais l'ouvrir. C'est magnifique, magnifique. Elle a mis un élastique et et un genre de feuillage comme ça. C'est très, très, très joli. Je le mets là. Là, elle a mis un bouton. Non, c'est plutôt par là. Voilà, excusez-moi. Là, elle a mis un bouton de chez Action avec une perle dedans. J'adore ces perles-là. J'en avais commandé chez Wish. Et j'en ai plus. Là, elle a mis des nœuds. Là, elle a mis un bouton. Je sais pas trop comment vous mettre. Voilà. Là, elle a mis un bouton avec un nœud d'or comme ça. Alors, je vais regarder à l'endroit. Là, attendez, parce que comme ça, non, c'est tout comme ça. Voilà. Alors, voilà, elle a tenu, elle a tenu les livrets avec une dentelle. Voilà. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot là-dessus, il y a du boulot. Moi, je n'ai pas encore fait. Quand je vais en faire un, waouh, ça va être mortel. Là, elle a mis du tamponnage avec une fleur, avec un cœur. Là, elle a mis du papillon, parce qu'elle sait que j'adore les papillons. Voilà. Alors, je ne sais pas comment le tenir. Là, il y a une épingle. Voilà. Alors. Là, elle a mis une feuille d'un livre de chez Action qu'elle a coupé comme le napperon, vous voyez. Là, je vais le mettre comme ça pour qu'on voit. Là, elle a mis une feuille de musique comme elle m'a envoyé. Ça rend super bien. Là, elle a mis un bouton blanc. Je vais le mettre comme ça, on voit mieux. Là, elle a mis un bouton blanc. Là, elle a mis une fleur. Elle me dit que c'est moi qui les ai envoyés, mais c'est bizarre parce que je crochète pas comme ça. Alors ça m'étonne que ce soit les mains, mais bon, je peux me tromper. Là, elle a mis de la dentelle. Voilà, c'est magnifique. Là. Pareil, là elle a une pochette avec une créa qu'elle a fait. Voilà, alors là elle a refait une créa. Elle m'a mis des papillons. Elle m'a remis des graines de fleurs.
Elle m'a mis ça, j'oublie le nom. Et une pochette, elle a mis ça, j'adore cette découpe. Là, elle a fait un marque-page où elle a mis des perles comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Hop. Voilà, elle a mis une perle comme ça. J'aime beaucoup cette perle. Avec un trombone et ça s'appelle de la twine. Voilà, en tout cas, c'est beau, c'est, voilà. Je remets dedans parce que moi, après, je sais pas où ça va. Là, elle m'a fait une pochette où elle m'a mis une chouette ou un hibou, je sais pas. Voilà. Hop, on remet dedans. De l'autre côté, il y avait ça et le papillon. Et là, il y a une autre pochette avec un lapin, un poisson, comme ça, c'est du plâtre. Ouais, voilà. Et là, une feuille avec une abeille. Il y a du boulot, hein, les filles. Là, elle a mis un tamponnage. Là, elle a remis un tamponnage. À l'intérieur, elle a remis un tamponnage. Là, elle a mis... Là, elle a mis un feuillage en chipboard, je sais pas comment vous dites en chipboard, peut-être. Là, c'est un morceau de feuille qu'elle n'a pas dû tenir. Eh bien, c'est pas grave. Là, elle a mis une pochette du carton qu'elle a fait des tamponnages. Là, elle a remis une pochette où elle a mis plein de trucs dedans. Alors, cette pochette, elle est en plastique où elle a mis du washi. Elle a mis un tag, là. Voilà. Alors, là, elle m'a mis une pochette, un petit chat que je mets dans la pochette. C'est ça que j'étais en train de penser. Là, elle m'a mis des perles avec une épingle à nourrice rose accrochée sur un trombone qu'elle a tordu comme perle comme. Et à l'intérieur, elle m'a mis de la dentelle comme ceci. Elle m'a mis des petits nœuds. Voilà, elle m'a mis plein de petits nœuds comme ça. Voilà. Ça, c'est des nœuds de chat, si j'ai les mêmes. Voilà. Là, c'était dans cette pochette-là. Je remets dedans. Voilà. Là, j'ai une autre pochette avec une clé. Qu'elle m'a mis des papiers comme ça. C'est un genre de soie. Voilà. Elle sait que je vais faire de l'art journal ou du mix média. Elle m'a mis plein de trucs. Et là... Elle m'a mis une pochette avec un bouquet de roses, comme ça, et des papillons. C'est très joli, avec un petit napperon derrière. Et c'est des Memory Dex. Vous savez, comme on avait dans le temps, les secrétaires, elles avaient ça.
Voilà. C'est très très joli. Je m'en servirai bien sûr. Hop. Ça rentre tout le poil dedans. Hop. Et elle m'a fait un, vous savez, un, elle a pris du fil de fer, du fil, ouais, du fil de fer, et puis elle m'a fait un zigoui-oui comme ça. Voilà. Hop. Il y a du boulot, hein. Là, elle a teint une page au café, hop, que je vais vous le mettre comme ça, où elle a tamponné. Je recule un petit peu pour que vous puissiez voir. Parce que je veux que ça soit mis à l'honneur. Je vais le tenir sur ma poitrine. Je vais me rapprocher. Voilà. Et là, elle a fait des tamponnages sur un papier qu'elle a sur une pochette. Voilà, qu'elle a collé comme ça. Là, elle a mis une chouette à l'envers. Un papillon. Là, il y a un cœur en dentelle avec la dentelle, une feuille d'un papier de chinoise, je reconnais. Là, il est beau ce papier. Là. Très joli. Elle a fait un tamponnage derrière. Je remets parce que ça a l'air de partir. Là, elle a mis de l'organza punti avec de la dentelle blanche. C'est très joli. Là, elle m'a mis un petit mot. Alors, hop, je tourne pour que je puisse lire. Alors, c'est marqué. Elle a mis un petit mot sur la parole du chat et elle a marqué « Quand je ne suis pas là, les souris dansent. » Alors, danse, Maria. Non, je ne vais pas danser. Un jour, je danserai. Et je le ferai. Là, elle a mis un tamponnage de femme. Là, elle a récupéré une page qu'elle a ajouté, elle a tamponné un petit truc. Là, elle a retamponné. Dans cette pochette, j'ai des petites. Alors, hop, hop. Alors, dans cette petite pochette, j'ai des petits trucs comme ça. Ah, c'est un petit thé. C'est un sachet de thé. Merci, ma copinette. Et c'est du palais d'été, herboriste. Et c'est du quoi? Verveine orange menthe. Ah. Tiens, je vais le prendre pour ce soir, tiens. Hop, je vais l'enlever de la pochette et je vais le boire ce soir. Hop, du coup, je mets dans la pochette, tiens. Dans celui-là, j'ai des petits oiseaux comme ça. Voilà. J'ai des bocaux. Et puis ça, je ne sais pas comment on appelle des trucs de café. Voilà. Et j'ai des petits papillons. Hop. Qu'elle a fait. Elle a teint et le papier. Et elle a fait elle-même le. Le fond, c'est elle-même qui l'a fait. Voilà, vous voyez, c'est elle-même qui a fait les fonds. Voilà. Hop. Je remets dedans, parce que je ne vais pas abîmer. Ça, c'est du boulot. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Non, je ne sais pas ce que c'est, mais je comprends. Là, elle m'a fait un petit genre de memory dex. Comme elle n'a pas la memory dex, moi, je vais la. Elle n'a rien mis derrière, mais c'est pas grave. Moi, je vais le faire. Ouais, memory, ouais. Voilà, et là, elle en a fait une autre. Et c'est marqué ami. Voilà. Parce que maintenant que je sais ce que c'est. Voilà, je le remets dans la pochette.
Là, on a de 10 lières comme ça. C'est du papier teinté, hein, au café, au thé, voyez. Là, elle a remis un tampon avec un ciseau. Et elle m'a fait des ATS, des ATC. Thème coronavirus. Thème coronavirus. Et c'est fait le 24 mars. L'automne, faite par Carica le 24 mars. Voilà. Qu'elle a fait une pochette, qu'elle a tamponnée. Ah non, c'est du papier des blocs de chez Action, ça. Craft. Voilà. Merci Carica. C'est... Oh, quelle patience. Là, elle a mis un ruban fait main avec une feuille de cahier d'écolière, je pense. Hein. Je pense que c'est ça. Là, elle a remis une carte avec d'un tamponnage là. Là, elle a teint son papier au café et elle a mis des tamponnages de pot de fleurs. Là, elle a mis un tamponnage que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Toujours sur la feuille café. Là, c'est un papier pareil qu'elle a mis du un cœur, love, avec un petit lapin. Là, elle a fait ses fonds avec un apron qu'elle a mis dessus, puis qu'elle a pitché avec, je ne sais pas si c'est avec les Distress Oxide spray, je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air. Là, elle a mis un tamponnage de petite dame. Là, elle a fait une pochette avec un papier bingo. Voilà. Là, elle a mis un tamponnage. Là, elle a mis le doigt comme ça. Là, elle a refait une pochette. C'est une pochette qu'elle a mis des trucs dedans. Alors, c'est un chat, un mannequin comme ça, un mannequin comme ça. Là, elle a mis en trois couleurs, c'est bien comme ça. Là, c'est des petits papiers fleuris comme ça. Je vais mettre un peu plus par là, parce que des fois, je suis hors champ. Voilà, des blocs comme ça. Si vous avez vu la balle. Oh, elle est superbe cette découpe. Magnifique cette découpe. Voilà. Voilà. Merci Carica. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu t'es donné du mal, hein. En tout cas, t'as bossé pendant le coronavirus, toi. Le Covid. Alors, que je regarde là. Alors, là, c'est comme ça. Il y a une bannière. Je ne sais pas si c'est un tamponnage, je ne pense pas. Ça doit être de la récup qu'elle a fait. Une publicité ou d'un cahier. Là, j'ai un vélo. Là, j'ai un tamponnage vélo, mais je suis en train de le prendre à l'envers, non. Là, c'est bingo, une pochette bingo. Voilà, une pochette bingo. Là, elle a mis un trombone qu'elle a fait avec le tuto de Perlcom. Voilà. Et une petite clé. Un chapeau et une chaussure. Voilà. Là, elle a mis encore une pochette. Tradition, ça doit être le pain. Elle a fait une pochette avec des ronds. Et elle a mis des petites pendouilles comme ça, des petits objets là.
Hop, on remet. Là, elle a fait une enveloppe et elle a mis un lapin. Voilà. Je suis servie pour Pâques l'année prochaine. Voilà. Là, hop, que je le remonte. Là, elle a mis, elle a tamponné un bocal avec une fleur sur une page de cahier qu'elle a teint au café. Ça sent bon le café, hein. Là, c'est un tamponnage comme ça, où elle a marqué fait main. Là, elle a mis une feuille où il y a des tamponnages où elle a ancré, pas ancré, mais teinté au café aussi, ou au thé, parce qu'elle a fait les deux, je sais qu'elle a fait les deux, et au pamplemousse aussi, non, pas au pamplemousse, à l'avocat, je crois que c'est ça aussi. Là, elle a mis les tasses et la théière avec un tamponnage. Elle a mis de la dentelle et elle m'a mis une épingle comme ceci. Hop, je vais la ramener un petit peu plus. Voilà. Après, elle m'a mis... Je ne sais vraiment pas comment le mettre pour lui rendre... Là, elle a remis une page au café. Là, encore une au café. Là, elle a fait un tamponnage. Là, elle a remis une page de cahier avec une cage et un oiseau. Là, elle a mis une montgolfière et elle a teint, vous savez, du canvas. Elle a passé le canvas au café et elle a fait un tamponnage dessus. Là, c'est un ruban en rose, thème rose. Là, elle a fait pareil qu'avec le napperon. Là, elle a fait un tamponnage. Là, pareil. Ça, tout ça, c'est du c'est teint. Hein. Elle a passé du temps. Pendant le Covid, on a beaucoup ri. On a beaucoup, beaucoup ri. C'est ce qui nous a fait avancer aussi, parce qu'on a trop rigolé. On se crapait avec la musique, on refaisait le monde, voilà. Là, elle a fait une pochette avec des petits chats, des fleurs. Là, j'ai un rond avec des fleurs. Voilà, ça va dans cette pochette-là. Et ça va ici. Ici, elle m'a refait une pochette où elle m'a mis des étiquettes comme ça. Hop. Voilà. Là, elle a refait un trombone avec une épingle à nourrice. Non, avec une épingle à nourrice, elle a fait son petit sentiment, là. Elle a mis pareil, vous voyez, comme elle avait fait tout à l'heure. Et elle m'a mis à l'intérieur, elle m'a mis des petites images avec des papillons et des chats. Voilà. Dans cette enveloppe-là, qui était dedans, pareil, plein de goodies. Hein, je vous montre vite comme ça. J'ai des stickers, j'ai des fleurs qu'elle a tamponnées. Là, c'est une fleur. Là, c'est de la... C'est une... Je sais pas comment ça s'appelle, les fleurs de Noël, là. Je sais pas. Là, un pontitia, ça. Hein. Je sais pas comment on dit. Voilà. Après, on continue. On a encore une feuille, encore du tamponnage. Là, c'est encore une note de musique. C'est des notes de musique. Je pense qu'elle a teint, vous voyez, elle a teint. Là, c'est encore une pochette avec plein de choses dedans. Une enveloppe avec un petit chat bleu. Et dedans, elle m'a mis des papillons, vous voyez. Hop. Là, elle m'a mis des étiquettes comme ceci, qu'elle a fait avec son papier de chez Action. Voilà. Il y a toujours ces pochettes avec ces ronds. Je ne sais pas c'est quoi, c'est fait en quoi. C'est, on dirait du papier, je ne sais pas.
Là, elle m'a mis un ruban comme ceci. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez là. On ne voit pas bien. J'aurais voulu vous le montrer mieux. Ah, ben voilà. On voit mieux là. Voilà. Hop. On met à l'intérieur. Je suis déjà à 25 minutes. Voilà. J'espère que la vidéo ne va pas se couper. Sinon, bah, j'en referai une autre. À partir de... Là, c'est de la dentelle de chez Action. Il y a GGBNM qui a fait un tuto avec cette dentelle. Là, il faut que je teste. Là, elle a pris une page de notes de musique. Là, elle m'a fait une carte. Attendez, je regarde. Hop, elle a fait une carte. Alors, je regarde. Comme c'était... C'est super beau. Alors, est-ce qu'elle m'a écrit un petit mot? Ah ben non, c'est une mini pochette comme ça. Voilà. Ah ben alors, elle a mis c'est de la des pensées. Là, c'est des petites fleurs qu'elle a mis les unes sur les autres avec des strass, une perle. Là, elle m'a le mot merci. Et là, vous voyez, elle a mis plein de petites perles. Ça, c'est du boulot, ça. Ben, il fallait bien l'occuper. Hein. Voilà, elle s'est occupée à travailler. Pour qui? Pour Maya. Allez, hop, ça ne rentre pas comme ça. Peut-être comme ça, non? Je ne veux pas perdre trop de temps. Mais j'aime bien ranger les choses à leur place. Voilà, merci beaucoup, merci à toi. Là, elle a mis une pochette en plastique. Là, elle a mis une feuille comme ça avec des roses. Hop, que je remonte. Voilà, avec des roses. Je vais vous remonter un tout petit peu parce que je trouve qu'on est un peu trop. Voilà, avec des roses. Là, elle a fait avec du papier. Vous savez qu'on peut. Voilà, elle a mis une rose, là. Là, elle a mis du papier calque. C'est du papier calque, hein, mais il est fleuri. Elle a mis un petit tampon. Là, c'est toujours son papier teint. Là, elle a mis un bocal avec un papillon. Il est beau dans ce papier, là, peint comme ça. Là, c'est un papier pareil. Un genre de papier. Vous savez, quand on va acheter des chaussures, il y a ça dans le bas, et c'est écrit, voilà. Là, elle m'a mis des tamponnages, une petite souris. Là, c'est un petit papillon. Là, c'est un œil, je pense que c'est un œil. Là, c'est une quittance de loyer. Alors, elle m'a marqué, propriétaire, Maya 016, elle n'a pas fait par Carica. Premier junk journal, et c'est pour moi le. Elle a marqué du 1er juin à. Je sais pas, elle a. Un junk journal, ouais. J'aime beaucoup comment elle a fait là. Là, c'est une page de papier de chinoise. Ça, je sais, ça c'est de la musique. Ça, c'est toujours son papier, vous savez, espèce de calque là, mais c'est dans les chaussures, de papier soie, on dirait ça. Là, elle a mis une calèche avec un cheval et une petite clé là. Vous voyez, toujours le pain, le papier, il est teinté au café. Là, elle a mis. Pour violoncelle et harpe, c'est des notes, une feuille de musique, vous voyez, hop, sonate. Là, c'est du papier d'un bloc, voilà. C'est pareil, je pense que c'est d'un bloc de chez Action, qu'on a, comment on appelle ça, oh, ça va me revenir peut-être. Là, elle a marqué « Ami ». Là, toujours sa dentelle plastifiée de chez Action.
Là, toujours son tamponnage avec ses sprays, je pense, et des petits napperons qu'elle a superposés, qu'elle a enlevés après. Ça fait super beau. Là, une petite colombe, ou ouais, une petite colombe. Là, vous voyez, le papier, il est bien. Puis ça sent bon, café. Voilà, là, il y a un cœur. Là, voilà. Là, elle a récupéré une feuille qu'elle a fait une pochette comme ça. Vous voyez? Là, elle a mis un demi-napperon qu'elle a mis à l'intérieur. Et là, il y a le doigt. Ici, il y a des tamponnages. Plein de tamponnages sur du papier. Ça fait un peu mousse. J'aime beaucoup cette texture. Elle m'a fait des clés et le tampon de cage. Il y en a plein. Merci Carica, j'aime beaucoup. Elle avait dit qu'elle m'en ferait des tamponnages, mais je savais pas que. Je savais qu'elle faisait un junk, mais je savais pas qu'il était aussi gros que ça. Hein. Bah, je vais le mettre là. Ah non, on peut pas. Peut-être pas que ça rentre. Non, ça rentre pas. Pas grave, on va le mettre là. Ici, elle m'a fait un tag. Voilà. Avec des rouages. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette photo. J'aime beaucoup, beaucoup. Là, elle m'a mis des shipboards, ouais, des shipboards, je sais pas comment vous dites. Je sais pas comment vous dites. Là, elle m'a remis un petit chat. Et ici, elle m'a mis des embellissements pour Pâques. Hop. Alors, il y a un œuf, comme ça. Il y a des images avec des oiseaux. Là, avec des fleurs et des oiseaux. Là, comme ça. Et des bannières comme ça. Et ici, j'ai un petit oiseau, une colombe comme ça. Voilà. Hop, je vais recoller ça dessus. Hop, je mets dedans. Voilà le tag et l'image. Voilà. Là, on a une feuille teintée. Non, c'est une enveloppe. Une enveloppe où elle m'a mis une espèce de ruban mousse. Une enveloppe, elle a tout ancré tout autour. Là, c'est une note de musique. Pareil. Là, ah, elle a mis comme ça. Là, c'est du canvas, pareil, perfect. Là, elle a mis une autre épingle de couturière. Là, elle a mis une pochette comme elle avait fait avec tout à l'heure. Voilà, elle a teint au café. Vous voyez, un côté fait comme ça et un côté il est marron. Voilà, et on arrive au milieu du junk, je pense. Hein, je pense. Alors, 33 minutes pour faire une moitié. Et après, ben, elle a dessiné. Alors, je vais vous montrer. Parce que je ne sais pas si c'est elle qui a dessiné ou sa fille Rebecca. Mais je ne sais pas si c'est dessiné. Ouais, je pense que c'est dessiné. Voilà, c'est ou un dessin qu'elle a récupéré à ses enfants. Voilà, je pense, hein, je sais pas. Là, elle a fait une pochette. Là, c'est un tag qu'elle a mis, mais elle l'a mis à l'intérieur. Alors, on peut pas le. Elle a fait une pochette, voilà. C'est la note de musique. Là, elle a fait une pochette. Elle a mis un tamponnage qu'elle m'a avec une clé, avec un organza. Là. C'est une horloge gelée sous Daisla. Voilà. Mais ça, je pense que c'est des découpes que j'ai envoyées. Je ne sais pas. Je me rappelle plus ce que j'ai envoyé.
Alors là, j'ai un grand tag comme ça, avec une pochette. Voilà, qu'elle a fait. Voilà. C'est un die cut. Là, c'est un die cut aussi. Voilà, avec un train. Il est beau, hein, ce tamponnage-là. Et derrière, elle a mis le même, vous voyez. Et voilà. C'est un très bel en bois qu'elle m'a fait, là. C'est encore... Il y a du boulot, hein. Ne serait-ce que chercher, déjà, et mettre tout. Là, c'est de la corde. De la... On dit, hein, il y a un autre mot, mais... Voilà, là, il y a une bouteille. Voilà. Hop. On le remet comme il était. Hop. Voilà. Là, elle a remis la page avec la dentelle, le tampon, l'impôt. Là, c'est des petites fleurs en dentelle avec des tamponnages d'une petite biche. Et de... Ça sent bon le café. Hein. Je me répète, mais ça sent bon. Là, vous voyez, elle a mis des pages. Là, pareil, elle a retamponné son apron. Elle marquait ses mignons. C'est très mignon, c'est très... Voilà, t'as pris du temps. Et voilà, c'est, on dirait des feuilles de soie, mais c'est pas de la feuille de soie. Là, elle a mis des petits strass. Oh mince, il est resté collé à mon doigt. Oh mince, je l'enlève, je le remettrai tout à l'heure. Voilà, elle a mis à chaque coin des petits strass comme ça. Des petits strass marron comme ça, hop. Il est tombé. Là, elle a tamponné le livre. J'ai la planche de tampon de chez Action. Là, elle a mis une tasse, une belle découpe de tasse. J'aime beaucoup. Je reconnais ce papier-là. Tiens, il faut que je pose la question. Là. C'est pareil, c'est des petites clés. Là, c'est le napperon. Là, c'est la feuille d'un livre. C'est la feuille de... Ah ben non, c'est des notes de musique. Là, elle a mis une feuille avec un trombone qu'elle a fait. Voilà, là, elle a fait encore une pochette. Là, c'est son papier. Ben là, on revient. Hein. La note de musique, Friends, elle a mis son... Voilà. Hein. Là, c'est la quittance de loyer, oui. Vous voyez, elle l'a marqué 1er juin. Je pense qu'elle a dû le finir là. Vous savez, c'est comme tout. Hein. Moi, je suis très en retard aussi. Hein, parce que j'ai fait un truc et j'ai fait des créations. Mais je veux les mettre dedans. Mes créations sont trop grosses, alors ça ne ferme pas. Là, le papier avec du ou, là. Vous savez, le transparent... C'est genre calque, mais c'est du ou en hiver. Là, elle a mis un bouton de chez Action. Elle a fait une pochette avec des die cuts. Là, c'est, on revient, vous savez, au papier gaufret, là. Hop. Voilà. Là, on revient avec le papier de la feuille de où il y avait la rose, là. Là, c'est du tulle qu'elle a mis. Un apron en tulle. Un sac en plastique, un petit sachet en plastique. Là, c'est un papier d'un livre où elle a mis un tamponnage. Il est super beau ce tamponnage. J'aime beaucoup. Sur un fond de carte avec des papillons qui partent ici, là. Là, c'est elle a mis un tamponnage ou alors c'est la feuille du livre qui est comme ça. Elle a mis un papillon. Ici, elle a mis des papillons comme ça. Oh, ça a un nom, ça. J'ai déjà pas trouvé. Ça a un nom, mais je ne me rappelle plus le nom. Voilà. Là, c'est une image avec un piano, un orgue. Là, c'est le tamponnage de la cage. Voilà. Là, on revient au papier qu'elle a tangoté, je pense, au café. Là, on est à la pochette de l'autre côté.
on arrive, on a une autre pochette dedans, comme elle a fait dans son envoi. Hop. Et elle m'a mis plein de petites choses dedans, une enveloppe, des sachets de After Eight et un tamponnage Café des Artistes. Il est super beau ce tamponnage. Et elle m'a mis une carte comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Et on ferme comme ceci. Voilà. Voilà. On remet dedans. Là, toujours la feuille avec la dentelle et son papillon. Là, pareil, le canvas teinté au café où elle a fait... où elle a mis du spray ou de la peinture au tampon, je sais pas, de la distress. Voilà. Ça ressort super bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Là, c'est teint au café parce que ça sent bien. Là, c'est un cœur tamponnage. Voilà, on revient. Là, c'est l'arbre avec toujours avec ses feuilles tamponnées. Là, elle a mis une pochette. Elle a fait de la dentelle. La dentelle plastique action. Hop. Je remonte tout. Hop. Et là, elle a mis le galon avec des cartes de des cartes en bricole là. Je ne sais pas comment on appelle déjà. Là. Là, c'est toujours notre bande qu'elle a coupée, qu'elle a mis comme ça, qu'elle a coupée au ciseau cranteur. Voilà, là c'est la feuille de cahier qu'elle a tamponnée et teintée. Là c'est notre baguette, là, enfin épi, là. Voilà. On revient avec le papier peint. Le papier teint. Elle a mis une. Elle a remis sa bande de papillons. Là on est revenu avec le vélo, la page du vélo. Voilà, là c'est l'autre côté du sachet. Là, il est beau ce tampon, j'aime beaucoup. Ouais, là c'est pareil, elle a refait le même système avec de la belle dentelle rose. Là, c'est pareil. Hop. Il prend de la place, hein, je vous dis. Hein. Alors. Là, on revient. Là, on est à l'enveloppe. Là, elle a fait une espèce de pochette où elle a mis un tamponnage comme ceci. Voilà. Hop, rentre. Voilà. Là, elle a fait une espèce d'enveloppe. Toujours avec du papier. C'est teint au café, hein. C'est tout. Elle s'est donné la peine de mettre tout teint au café. Hein. Là, c'est des morceaux de papier qu'elle a collé et j'adore le rendu. Vraiment. J'adore ce rendu. Là, toutes les lettres qui se chevauchent. Comme ça, regardez. Je vous le montre plus près. Voyez, le rendu, il est magnifique. Vraiment. Ça fait. C'est sur une enveloppe. Et c'est sur un sachet et ça rend super bien. Là, elle a remis le bocal. Voilà. Là c'est sur une feuille de musique. Elle a mis de la dentelle. Là, on revient à l'organza plumeti, au tulle plumeti, avec sa dentelle. C'est super joli, ça. Voilà notre papier calque. Vous voyez, on voit à travers, vous voyez. Voilà, avec sa dentelle. Là, c'est la feuille du lit, du machin. Là, c'est que des pendules. Là, c'est une feuille teintée au café, vous voyez bien. Hein, et avec de la dentelle. Voilà. Là, c'est une petite clé. Là, c'est la pochette qu'elle a fabriquée en plastique. Il y avait des tags. Vous voyez, les tags, ils sont là. Mais ils doivent être
Ouais, ça va être, ils ont dû descendre et j'ai pas vu tout. Voyez, on voit à travers. Hein. Voilà. Là, on a des tamponnages. J'aime beaucoup ce tampon. J'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas si vous voyez. J'aime beaucoup ce tampon. Là, là, on revient à notre sachet où elle a fait une autre créa comme ça, avec le bocal, un tag, un papillon. Pareil, elle a fait, vous voyez, j'aime beaucoup ces positions de... J'aime beaucoup. Elle a, avec un dies, elle a découpé là pour que ça fasse mâchouiller. Ben, c'est bien, j'aime bien moi. J'aime beaucoup. Voilà. Hop, je vais mettre comme il faut. Et là, on arrive à la dernière feuille de note de musique. Et ici, on a la page. Et on a la fin de notre junk. Merci, Macarica. C'est un boulot phénoménal. Il est magnifique. Il est magnifique. Le thé pour ce soir, 47 minutes de vidéo. C'est même étonnant que ça n'ait pas sauté. En tout cas, je te remercie. C'est un boulot, mais un boulot titanesque. C'est pour ça que moi, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire le des junk. Mais quand je vois le boulot que ça demande peut-être pas plus qu'un album. Mais là, c'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment. Vraiment, tu t'es donné pour moi. Oh, ça me touche énormément, énormément. Il est magnifique, ton junk. Vraiment. Il est magnifique que je vienne vers toi. Il est magnifique. Sachant le boulot que ça demande, tout dans mes couleurs, rose, voilà, c'est tout, tout, tout beau. Il est, regardez le junk que ça fait. Ça, c'est du junk. C'est que des papiers de récup, c'est que des sachets, c'est, voilà. Ça, ça s'appelle un junk. C'est ça. Avec des récup, pas avec du papier Stamperella ou je ne sais pas quoi, là. Voilà. Ça, c'est du travail. Ça, c'est de la recherche. C'est, voilà. Comme tous les junk que j'ai reçus, c'est que de la récup. Et ben c'est génial. Moi, j'adore. Merci. Merci, Carica. Il est magnifique. Vraiment. Tu t'es donné à fond. Et en sachant que c'est ton premier, bah, il est comme ça. Il est réussi, vraiment. Voilà. Merci de t'être donné la... Alors déjà, sa tranche, elle l'a fait avec de la dentelle. Vous avez vu qu'au milieu, il y avait la dentelle. Hein. Et c'est... Quoi dire? Il va aller rejoindre les autres que j'ai. Et c'est magnifique. Voilà. Je te remercie et ne change rien. T'es une fille formidable. Merci. Ciao.